Et salut tout le monde, c'est Soartex pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de l'autoroute, de la série de l'autoroute. Donc le premier épisode, c'est le trailer. Le deuxième, c'était le premier épisode un peu présentation avec l'échangeur. Et là, comme je vous l'ai promis, c'est l'ère d'autoroute. Donc on va y aller tout de suite. Et déjà, on va rentrer. Voilà, avec petite espèce de petite forêt, on arrive sur un petit rond-point. Donc on va déjà partir à droite. Donc voilà où il y a un petit parking, une petite table, je sais pas ce qu'elle fait là. Voilà. Petit parking, place handicapée et des camions. Donc je fais un peu le tour, voilà, de ces magnifiques camions réalisés par moi-même. Il y a eu un bug, excusez-moi. Donc voilà, magnifique camion, je trouve, réalisé, que j'ai un peu copié sur un autre youtubeur, mais que j'ai amélioré, ou que j'ai en tout cas adapté à Minecraft Pocket Edition. Donc, on va passer par ce petit chemin, toujours en volant, hein, voilà, ça va plus vite. Et on arrive sur le bâtiment de l'aire d'autoroute. Donc, ça m'a mis vraiment... J'ai mis, pour faire cette aire d'autoroute, j'ai mis 2 jours non-stop. C'est très très long. Je vais faire un petit tour, voilà, en volant de cette aire d'autoroute, de ce bâtiment où il y a les restaurants, enfin, quoi, pour se détendre. Donc on va aller à l'intérieur, et déjà là on arrive sur WC homme, WC femme. Donc on va commencer par les WC femmes, galanterie. Donc déjà on aperçoit quand même une très belle hauteur de plafond, très agréable, avec des lavabos, un lavabo, petite poubelle, et on rentre, et voilà, un WC, il y en a tout le long. Donc voilà, excusez-moi, je coupe le son, voilà. Donc voilà pour ces WC femmes. Les WC hommes, ils sont pas tout à fait pareils. Donc là on arrive poubelle, un WC seulement, sinon ce sont des pissotières, voilà, donc avec la lumière derrière les trappes, hein, j'ai pas honte de le dire. Donc voilà, des pissotières, et puis lavabo. Rien d'extraordinaire, c'est simple, mais efficace. Donc ces trucs-là, j'ai essayé d'imiter les machines à café, donc voilà. Ça... Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, machine à café. Voilà, et puis de chaque côté, des bibliothèques pour se divertir, pour acheter ces magazines pour les enfants, pour même pour les adultes, pour le passager, les passagers, pour qu'ils lisent pendant la route. Et là, on arrive sur la pièce principale. Donc, avec de chaque côté, c'est quasiment symétrique, des canapés, des petites tables, un petit water feature. Et là, c'est ce qui change, c'est que il y a des coins pour manger. Et oui, des coins pour manger, des tables, des plantes. Et de l'autre côté, pareil, donc les petits canapés, le water feature, et là, ce coup-ci, la boutique avec la machine à café, la caisse et les gâteaux pour les acheter. Donc voilà, pour c'est tout pour ce bâtiment. Il est simple, mais je trouve quand même assez joli et efficace. Donc si on revient sur le parking, on va aller retourner sur le rond-point, donc voilà, et là, on va aller tout droit. Donc sur cette route qui tourne énormément, c'est super compliqué à faire. Et là on arrive sur... Tadam, la station essence. Donc j'en ai bavé pour la faire. Hein. Je savais pas trop comment faire. J'avais pas d'idée. Je n'avais jamais fait. Enfin, comme l'air d'autoroute, remarque. Donc j'ai vraiment improvisé. J'espère que ça va vous plaire. Je trouve que c'est efficace. Donc là voilà, avec pour mettre l'essence. L'écran, puis pour mettre la carte bleue ou l'argent. Là, et donc il y a 3 pompes. Voilà. Et là, on retourne, on passe là, et on sort de l'aire d'autoroute. Donc, je vous fais un petit coup en volant. Donc, je vous rappelle que l'autoroute, je l'ai fait en l'air. Donc, forcément, tout le sol, c'est moi qui l'ai fait. C'est pour ça que c'est aussi plat en même temps. Donc, voilà. Grande aire d'autoroute à la française, avec de quoi se reposer, se restaurer, dormir, si on veut,
et reprendre de l'essence, bien sûr. C'est aussi pour ça. Donc, j'annonce que la série de l'autoroute, il y aura à peu près 5-6 épisodes, il n'y en aura pas plus, hein, c'est déjà pas mal. Là, il n'y aura pas... Je ne sais pas si je ferai une autre aire d'autoroute, peut-être une de l'autre côté, mais beaucoup plus petite, avec sans le bâtiment, voilà, peut-être qu'avec un parking et une station essence. Le prochain épisode, ça va être... je sais pas trop encore, vous verrez bien. Vous verrez bien. Peut-être le péage, parce qu'on m'a demandé d'en faire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez l'aimer, la partager, la commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à plus et passez de bonnes vacances.